Sortir cette cellule, regardez autour de vous, mettez-vous à quatre pattes. Ensuite, cherchez l'objet, nana. Ressortez, vous devriez retrouver la salle. La lumière, ouais, bon, d'accord. Vous êtes dans une impasse, mais c'est pas les bras, il y a forcément moyen de progresser quelque part. Ok. Putain, rien que là, c'est flippant, quoi. Ah. Pouf la merde. Alors. Putain, le 3D audio, il fonctionne bien par contre. Putain, ça fait flipper. Oh! Putain, qu'elle me fasse pas sursauter, elle, parce que. Putain. Oh con. Quoi ça fait du bruit là-bas? Ah le con. Ils sont cons. Oh putain, c'est terrible ça. Truc de cochon. Ah, j'imagine le mec qui met ça, il se fait faire le cul et tout. Alors. Oh! Oh! Oh putain. Oh putain. Ah, le son, franchement, il est dingue, quoi. Oh! Putain, j'ai eu peur! Ok, il y a quelqu'un. Ah! Pas l'inventaire là? Non. Mallette, il n'y a pas la mallette. Dans ce macabre, la poule. Ça pue.
VR celui-là. Je le fais pas en VR lui. Juin 58, c'est mon premier jour de travail au château. Ah, pas de télétravail à l'époque. Hein. J'ai été étonné de constater qu'il était habité par des femmes avec une bête m'avait dessiné. Très séphir, ça fait, ne m'en pas. Pour le moins étrange. Non, ça fait 2 semaines que j'ai commencé à travailler dans un château. Adela Wong, peut-être. Adela a commis un impair. Daniel a taillé le visage avec un couteau. Ah, ben. Il se moque ou il a fait un tank. Pas quoi faire, les jeunes demoiselles se plaignent qu'il faisait une chaleur étouffante pendant le dîner, j'ai ouvert la fenêtre. Putain, on va trouver son cadavre à lui. Comme par hasard, le miroir il marche pas. C'est stressant. Waouh, comme c'est beau. Putain, rien que le bruit des pas là, j'ai l'impression que tu vas mourir hein, tout le temps quoi. Putain, c'est joli quand même. Wow, putain, le lustre. Ah, mais c'est mes pieds qui font des bruits en fait. Putain, mais le son, ma parole, il est super quoi. Pas une clé là, alors on va descendre. C'est fermé, c'est vrai. Oh, les petites chutes de framerate là. Irina, Mihaela, Loïs. Gabriela. C'est oh là là, ça ce genre de détail là, le rouge à lèvres avec le sang à l'intérieur, c'est putain, mais il y a vraiment pas assez beau quoi.
crochet, il a pas gardé, lui. C'est con quand même. Oh, putain, mais c'est vraiment beau, hein. Oh là là. Bague avec un œil. Ça c'est joli, on dirait une bille. Là, tu veux hypnotiser quelqu'un, tu fais ça. On va rester en bas 5 minutes. Hein. Ah, des petites chutes de framerate quand même. On va t'attaquer, tu vas voir. Tu vas quand même sauter dessus là, direct. Technique de vinification du château du Maestricu remonte au 15e siècle avant l'arrivée des occupants actuels. Alcina, bon, ça c'est la grande, utilise un procédé traditionnel pour enrichir l'intensité des saveurs du vin. Son meilleur millésime, Sanguis Virginis, ouais, sang de vierge, conserve dans une bouteille spéciale décorée aux fleurs argentées. Donc elle veut bouffer la fille de d'Ethan, c'est ça? Avoir un flingue là. I'm watching you. Pas les sous-titres là. Audio. I'm watching you, ça veut dire je te regarde. Oh, mais vas-y. Putain, tout fermé là, con. Ah! Vas-y, attends, je vais te feinter, toi. Ah! Putain! Allez! Hop là! Ah! Putain, la connasse! Oh putain. Bon. Bah c'était court mais intense, hein. Oh putain. Pouf. Bon.